Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes et de professionnels de la voix pour découvrir leurs astuces et vous aider à développer votre propre voix. Je suis Clémentine Coppolaigne, la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, mais aussi coach vocale et formatrice. La clé de la voix est en association avec la Maison de la Voix. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Pour le soutenir, mettez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts. Je remercie ceux qui prennent le temps de le faire, mais aussi ceux qui partagent ou qui parlent du podcast. Ça m'aide beaucoup à le faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur laclédelavoix.com/3superexercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Sandra Nkake nous parle de son histoire à travers son identité vocale. Sandra a assimilé très jeune qu'une voix féminine était synonyme de danger. Volontairement, elle a décidé de placer sa voix dans son registre le plus grave. Elle revient sur son cheminement personnel qui l'a amenée à écrire et à chanter différemment, car la voix de Sandra est le témoin de son vécu en perpétuelle mutation. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir son épisode. Bonjour Sandra. Bonjour. Je suis ravie de votre présence dans le podcast. Je voulais vous demander quels sont vos premiers souvenirs marquants avec la voix, avec le chant. Alors les premiers souvenirs marquants avec la voix et avec le chant, je pense qu'il y en a plusieurs. D'abord avec ma voix, j'ai eu beaucoup, quand j'étais plus petite, des moments où ma voix disparaissait, où je la perdais, et je me souviens du jour où en fait j'ai transformé son son pour me donner de la force. Je m'explique, j'étais dans une famille où il y avait beaucoup de violence, et pour moi ce qui était assigné au féminin était synonyme de proie. Et donc j'ai voulu que ma voix se rapproche de ce qu'on appelle une assignation au masculin. Et donc je me suis mise à parler avec une voix très détimbrée et très très grave comme ça. C'était vers quel âge ? Je devais avoir 9-10 ans, quelque chose comme ça. Et donc c'était vraiment volontaire de changer le placement de voix ? Oui, c'était un acte de protection sur lequel je suis revenue il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, où j'ai fait le chemin inverse. J'ai changé le placement de ma voix parlée et maintenant j'ai une voix parlée qui est beaucoup plus haute qu'avant. Mais ça, c'est vraiment le résultat aussi d'un cheminement intérieur personnel, mais qui du coup s'entend dans la voix et se ressent dans la voix et puis vibre partout dans le corps. Pour continuer à répondre sur le premier souvenir de voix chantée, bah, c'est compliqué parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir toujours chanté. Chanter, c'était vraiment pour moi, ça allait toujours des moments de respiration et d'apaisement. J'avais du mal à parler. J'étais plutôt une enfant solitaire, on va dire, même si j'adore être en groupe, mais j'étais plutôt taiseuse, en tout cas de mes émotions. Et je butais souvent sur les mots, j'avais une espèce de forme de bégaiement qui faisait que c'était très difficile pour moi de parler. Par contre, chanter, c'était assez naturel. Non seulement c'était naturel, mais surtout ça me faisait du bien. Et je pense qu'à partir de moment où j'ai compris que ça me faisait du bien, je l'ai pas lâché. Mais par contre, je m'étais pas du tout destinée à ce que ce soit un métier. Pour moi, c'est vraiment avant tout un besoin et je pense que je continuerai à chanter, que je continue à faire de la scène ou pas d'ailleurs, mais tant que mes cordes vocales me le permettront. Oui, et vous chantiez, je crois, dans les couloirs de la fac, puis en chœur dans un groupe. Le métier de chanteuse n'était pas un souhait, c'est venu au fur et à mesure des rencontres. Est-ce que vous voulez bien nous en parler ? Je chantais tout le temps à l'école, au collège, au lycée, à la fac. Mais c'est vrai que, en fait, je suis vraiment venue à la musique, on va dire professionnelle, par des rencontres parce que il y a une copine de fac qui a remarqué que je chantais tout le temps beaucoup et elle trouvait que j'avais une jolie voix et que ça méritait que je rencontre des musiciennes, des musiciens, et elle m'a dit voilà, justement je connais un groupe qui cherche quelqu'un à la voix, vas-y. Dans un premier temps j'étais d'abord assez résistante parce que pour moi chanter ça voulait forcément dire être passée par une école ou en tout cas une formation, et moi je suis plutôt quelqu'un de curieux, donc je me suis dit de toute façon je serais pas prise, mais au moins tentons la rencontre. Et c'était une chouette rencontre qui a déclenché plein de choses par la suite. On s'est revus plusieurs fois, on a fait beaucoup de travail en studio avant même la scène, et puis j'ai rencontré une comédienne qui est devenue une de mes meilleures amies, et j'ai commencé à faire du théâtre, et c'est vrai que le rapport à la scène a tout de suite été pour moi une évidence, en tout cas un endroit de vérité. Qu'est-ce que vous ressentiez ? Je dirais que ce que je ressentais, c'était une forme de plénitude et de puissance. La puissance dans le sens où j'avais l'impression que j'étais traversée par quelque chose que je ne maîtrisais pas, que je ne contrôlais pas, mais qui était fabuleux, et je trouvais ça assez incroyable d'être une forme de vaisseau un peu. Comme un canal. Ouais, comme un canal, et surtout que cette énergie-là qui me traversait, quand elle atteignait les gens, ça leur faisait du bien. Et c'est ça, moi, qui m'a tout de suite interpellée. J'ai très rapidement compris que l'endroit de la musique qui m'intéressait, c'était pas tellement le
le fait de chanter tout court et de chanter pour moi, parce que ça je peux le faire pour moi, mais de ce que ça crée chez les autres comme forme de bien-être et ce que ça crée comme espace de discussion, d'échange, de vibration, de croisement. C'est assez incroyable de constater que des personnes avec des parcours très 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 différents vont venir vous écouter, vibrer ensemble, échanger, discuter, pas forcément être d'accord d'ailleurs, mais en tout cas c'est un espace d'échange quoi. Oui, et donc c'était je crois la première scène hein, pour une pièce de théâtre, Les Sorcières de Salem. Est-ce que en tant que chanteuse, donc avec vos propres chansons, c'est le même ressenti ou est-ce que c'est différent quand il y a un rôle et qu'on est un peu soi mais à travers un rôle? Alors ce qui était compliqué pour moi à appréhender quand j'ai commencé à me produire avec mes chansons, c'est que je vais être à la fois actrice, autrice et metteuse en scène et que c'est souvent complexe d'être à la fois dans soi et à l'extérieur de soi. Oui. Pouvoir prendre la distance nécessaire pour regarder l'objet artistique que représente le répertoire et l'interprète et où est-ce qu'on a envie de le pousser un maximum pour trouver la justesse. Mais c'est vrai que pour ça, le théâtre m'a beaucoup aidée. Déjà parce que c'était un travail collectif. Tout le monde a une place importante, quelle que soit sa place, que ce soit la couturière, le dernier rôle, le premier rôle, tout le monde est important. Et ça, c'est une philosophie que j'ai transposée dans mon travail de la musique. Et le rapport à la voix, qui est quand même un instrument particulier dans le sens où on ne peut pas le mettre dans une housse et le ranger, qui est un instrument qui révèle beaucoup de soi, c'est justement accepter d'être à nu. Et ça ne veut pas dire raconter sa vie personnelle, mais ça veut dire raconter sa vie intime, dans le sens essayer d'être au plus près des émotions qui nous ont traversées et de les transmettre. Et ça, c'est vrai que dès les premiers concerts, j'ai senti que c'est vers ça qu'il fallait tendre. Tendre vers la vérité qui était la mienne au moment où j'étais en train de faire les choses. This is... Like a buffalo running for freedom, I'm hoofing and hoofing to reach wisdom. Like a buffalo running for freedom, I'm hoofing and hoofing to reach wisdom. Like a buffalo running for freedom, I'm hoofing and hoofing. Wah, wah. I turned on my telly and all they could tell me is there ain't nothing too crazy if you wanna reach glory. Getting better, rich getting richer, when the poor are struggling to survive. Why should we bother? We got our water. Why should we care about our earth staying alive? Like a buffalo running for freedom, I'm hoping and hoping to reach wisdom. Like a buffalo running for freedom, I'm hoping and hoping to reach wisdom. Get up on your feet. Stand up for the truth, Buffalo Raiden, Buffalo Raiden. Get up on your feet, stand up for the truth, Buffalo Raiden, Buffalo Raiden. Get Buffalo, up on your feet, don't go too close to me. Come to me, come to me, come to me. Like a buffalo running for freedom, I'm hoping and hoping to reach wisdom. Wisdom. Tu as fait du théâtre pendant combien de temps? Pendant presque 10 ans. Est-ce que tu as hésité entre une carrière de comédienne et une carrière de chanteuse? Moi, j'avais pas de feuille de route, j'ai pas de plan de carrière, donc moi, ce qui m'anime, ça va plutôt être les rencontres, les projets, de quoi ça parle. Et c'est vrai que, enfin, j'ai l'impression qu'on est quand même dans un espace géographique où on demande toujours aux gens de choisir, mais je vois pas pourquoi il faudrait choisir. C'est vrai. Après, d'un point de vue purement pragmatique, le temps vous oblige parfois à devoir faire des choix, donc je ne joue pas autant que je le souhaiterais, mais je continue de jouer et j'adore ça. Là, j'ai tourné dans un long métrage de Valeria Bruni Tedeschi il y a pas très longtemps et c'était à la fois jouissif, puissant, très fulgurant et super intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. J'adore jouer. D'accord, autant pour moi. C'est vrai que je te connaissais en tant que chanteuse. C'est vrai que moi, je m'intéresse surtout au chant, donc je savais pas du tout. Voilà, j'ai joué dans des séries, dans des longs métrages, mais c'est vrai que l'engagement dans la vie de autrice, compositrice, productrice, interprète, chef de projet, t'es un label, tout ça, ça prend de l'énergie. Une journée ne fait que 24 heures. Oui, justement, comment t'organises-tu? En fait, j'ai pas de journée type.
Ça va un peu dépendre des choses à faire. En général, ma journée, elle commence la nuit. Elle commence la veille, en fait. La veille, avant de me coucher, je me refais un rétro-planning de toutes les choses que je dois faire, qu'en général, j'ai noté sur un papier. Et j'essaye qu'en fin de journée, j'ai rayé le maximum de choses. Bon, c'est pas toujours efficace, mais c'est assez satisfaisant parce que parfois, je me suis aperçu que j'avais l'impression de n'avoir rien fait de la journée, alors qu'en fait, j'avais charbonné de malade. Bah, ça commence avant tout par ne pas se lever juste après le réveil. Donc moi, je suis plutôt une tortue, donc j'ai besoin de temps. Moi, je mis du temps aussi à comprendre un peu quel animal j'étais ou quel arbre j'étais, je sais pas comment on dit, mais... Oui, tu disais que tu te comparais beaucoup à la tortue. Et... Bah ouais, parce que mon enveloppe physique ne correspond pas à mon animal intérieur, on va dire. Donc on voit plutôt comme quelque chose qui va être très fulgurant, très rapide, tout ça, et en fait pas du tout. Ouais, j'ai besoin de temps pour que les choses se mettent en place. Après, une fois que les choses se mettent en place, ça va très vite. Mais par contre, le temps de mise en place, il est long. Un peu comme un bambou, alors, tu parlais d'arbre. Ouais, voilà. Je mets du temps à m'étirer, je reste longtemps au lit, en fait, avant de me lever. Après, j'essaye de... Et je le fais pas toujours, mais j'essaye de faire des étirements. Des salutations au soleil, en chantant ou... Non, pas forcément en chantant, plutôt en grommelant, en faisant des... D'accord. Une espèce de petit son un peu rocailleux qui masse un peu le larynx. Et puis très rapidement, je vais me mettre à chanter, mais à plutôt bas volume, souvent la bouche pas trop ouverte. Plutôt comme ça. Je me chauffe tranquillement, en fait. J'essaie de le faire avant de parler, par exemple. Mais c'est rapide, hein, c'est genre 5-10 minutes. Quand je peux, c'est super. Mais c'est vrai que les journées de travail, les journées de parents, les journées de la vraie vie, parfois font que je suis obligée de contourner cette espèce de rituel. Et ben, si je l'ai pas fait dans ce sens-là, ben, je le fais dans l'autre sens. Et quand tu chauffes ta voix, tu le fais plutôt avec des vocalises ou plutôt des mélodies qui te viennent en tête? Ça dépend ce que je dois faire. Ça dépend si je dois chanter sur scène, si je dois chanter en studio ou si c'est juste pour moi. Souvent, quand c'est que pour moi, j'essaie de trouver un endroit avec une petite réverbe, donc soit un angle, soit une salle de bain, soit un couloir, un escalier d'immeuble, pour essayer de bien entendre toutes les fréquences de la voix. Et puis j'explore. C'est vraiment à l'intuition, j'explore des sons qui parfois sont des sons un peu dégueulasses. Je cherche, en fait. Pour explorer tous les placements, puis pour éveiller un peu toutes tes voix. Ouais, parce qu'en fait, c'est un instrument que je continue de découvrir et qui est en mutation tout le temps. Et d'une journée à l'autre, et d'un mois à l'autre, et d'une année à l'autre. Elle a beaucoup changé, et c'est chouette de découvrir ce voyage-là. Il y avait vraiment un endroit de ma voix, de passage de registre entre voix de poitrine et voix de tête, où en fait, je faisais des sauts de puce. Il y avait vraiment un registre de notes dans lequel je n'allais jamais, pour plein de raisons. Et j'ai découvert que cet endroit-là correspondait à tout un tas de nœuds que j'avais dans ma tête. De nœuds qu'il y avait dans ma tête. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur ces nœuds-là, j'ai écrit des chansons différemment et j'ai fait en sorte de devoir aller à cet endroit-là et donc de devoir aller travailler à cet endroit-là. Et c'est un travail qui est encore en cours. Là, je travaille avec un chanteur qui m'aide à aller à cet endroit-là et à avoir ce qu'on appelle une voix mixte, en fait, vraiment mélanger un maximum les registres. Qu'est-ce qu'il te fait faire? D'ailleurs, si tu veux nous donner son nom, n'hésite pas. Il s'appelle Florent Matteo. D'accord. C'est un artiste assez incroyable et un super pédagogue. Très bien. Je mettrai son nom dans les notes, ouais, de l'épisode. Ben, on fait pas mal de vocalises pour commencer. Et puis ensuite, là en l'occurrence, il me fait faire des exercices qui me permettent de travailler l'accolement des cordes vocales et aussi le travail d'un son qui va être d'un seul tenant. Donc c'est aussi l'interprétation, c'est comment envisager une phrase. Évidemment émotionnelle, harmonique, rythmique, mais en n'imaginant pas qu'il y a des sauts et des écarts, mais que c'est une même flèche tendue. Et donc ça fait envisager l'expression du son de manière totalement différente. Donc au lieu de faire... On va faire... Donc on va au même endroit, mais on est dans le même tuyau de son. Et c'est ça qui m'intéresse de travailler. Et donc tu disais, ça c'est plutôt quand tu travailles chez toi, tu aimes bien être dans un endroit où il y a de la réverb. Et tu disais que c'était différent les jours où tu dois chanter pour aller en studio ou les jours où tu dois chanter pour aller sur scène. Oui, les jours où je dois travailler pour aller en studio, il y a évidemment de l'échauffement sous forme de petites vocalises qui sont pas très exigeantes, en tout cas qui vont pas aller aux limites de la voix. C'est vraiment juste pour chauffer un peu le muscle. Mais le vrai travail va surtout être de relire le texte, de comprendre de quoi ça parle, quelle émotion j'ai envie de faire passer, de faire le chemin de la mélodie et éventuellement identifier les endroits qui sont un peu complexes techniquement pour bien les aborder. Par exemple, bien cisler des voyelles,
avoir les bons gestes pour ne pas laisser la place à de l'air qui éventuellement pourrait m'amener à un mauvais placement. Mais ça, c'est un travail qu'il faut faire, on va dire, longtemps avant. Parce qu'au moment où on est en studio, le travail doit être fait. Il faut qu'il soit intégré. Donc c'est vraiment un travail d'anticipation pour être disponible à l'interprétation au moment où il faut le faire. C'est un peu comme un coureur, quoi. Une coureuse, tu fais un échauffement, mais l'entraînement, tu l'as fait longtemps avant. Parler de l'émotion, est-ce que tu aurais des conseils à donner? Qu'est-ce qui fonctionne pour toi pour faire passer des émotions? Pour moi, ce qui fonctionne, c'est de m'écrire pour moi le sous-texte de la chanson que je veux dire et qui n'est pas lisible forcément en regardant le texte. Et donc me mettre dans le contexte que j'imagine, quel moment de la journée, avec qui je suis, à qui je le dis, qui je suis quand je chante cette chanson, pour aller un peu plus précisément, une chanson avec 3 couplets, souvent il y a une espèce d'évolution et on n'est pas à un même moment de l'émotion entre le premier couplet et le troisième couplet. Et après, il y a aussi des outils qui peuvent nous servir, qui sont des outils de longueur de notes, de volume, de est-ce que vibrato, pas vibrato, qui peuvent aider à accentuer ça. Mais avant tout, c'est quand même visualiser ce qu'on dit, qui on est, pourquoi on le dit et à qui on le dit. Et dans ces cas-là, est-ce que c'est toujours toi ou est-ce que tu imagines des rôles ou des parties de toi qui chantent? Ça dépend. Parfois, c'est moi, et parfois, c'est moi dans le sens je me mets au service d'un personnage. Donc, c'est quand même moi, mais à travers le corps de quelqu'un d'autre. Et tu parlais donc de te servir un des outils techniques, de rajouter du vibrato ou faire attention à l'air. Est-ce que c'est un travail que tu fais toute seule en t'enregistrant, en t'écoutant, ou est-ce que tu te fais coacher pour préparer les chansons avant le studio? Là, en l'occurrence, en ce moment, je travaille avec Florent, donc oui. Il m'aide beaucoup pour ça.
Mais c'est un travail que moi j'essayais de faire avant, mais c'est pas pareil de le faire seul parce que on n'a pas la même écoute de soi quand on est en train de travailler. Donc lui il a une écoute à la fois plus froide, plus distanciée et je pense plus juste. Donc des fois où moi je vais être en auto-flagellation, il va me dire bah non mais c'est très bien. Et inversement des fois je me dis ah c'est cool, il va me dire ah bah non là bah, c'est pas le cahier des charges. Je pense que de toute façon le travail d'exploration il est important pour soi, mais si on sent le besoin tant en temps pour des choses très précises de travailler avec quelqu'un, il faut le faire. Enfin, je veux dire, faut pas hésiter à le faire, ce serait dommage. Donc, tu as dit en interview avoir un rapport très charnel avec la musique. Justement, comment explores-tu ta voix? Comment explores-tu le son? Explorer le son, mais pour moi, c'est juste en chantant tout le temps, en fait. Je pense pas qu'il y ait une journée où je chante pas, sauf quand je suis très malade. Et là, bon, c'est un peu compliqué, mais sinon, non. Il y a pas de règle. Après, c'est vrai que, par exemple, le fait de pouvoir jouer de la guitare aussi, ça permet d'aller dans des endroits où je vais pas forcément aller, on va dire, de manière naturelle, si je ne fais que écouter ce qu'il y a dans mes oreilles. Donc le fait de travailler avec un autre instrument, ou parfois avec un glockenspiel, ou avec une percussion, en fait, la voix, elle va résonner avec cet instrument-là, et ça ouvre d'autres chemins. Donc je crois qu'il faut pas se limiter. Ouais, j'ai l'impression que c'est quasiment exponentiel, quoi, les potentialités de découverte de son propre instrument. Après, ce que je trouve important, c'est d'apprendre à connaître, c'est apprendre à prendre l'instrument qui est le nôtre et ne pas vouloir qu'il soit autre. Il peut être plus véloce, il peut être plus souple, il peut être plus facilement gérable, mais un ficus ne sera jamais un cactus. Il faut apprendre à se connaître et c'est pour ça que l'exploration, c'est important. L'exploration, évidemment, en connaissant son appareil phonatoire et en sachant quelles sont des positions qui n'abîment pas. Tu parlais tout à l'heure hein, de travailler sa voix quand tu vas en studio, hein, de faire attention à échauffer sans aller aux limites de ta voix. Les jours où tu n'as pas de scène, où tu n'as pas de studio, est-ce que tu essayes d'aller un petit peu plus loin pour explorer? Et si oui, à quelle fréquence est-ce que tu le fais? Ça, je le fais 3-4 fois par semaine quand j'ai pas de concert. Après, par exemple, pendant le confinement, c'était compliqué parce que tout le monde était à la maison. À un moment donné, c'est compliqué de chanter à fort volume avec des gens à côté de toi. Je parle pas que des voisins, je parle aussi des gens dans ton foyer, ton partenaire de vie, tes enfants. C'est vrai que c'était un moment un peu compliqué pour moi parce que j'avais l'impression que sur 10, bah, je devais chanter à 3-4, quoi. Mm. Au lieu d'être à 7-8, par exemple. Et donc, ce sont des habitudes qu'on perd vite, qu'il faut retravailler pour les retrouver. Oui. Et comment as-tu retravaillé dans ce sens-là? Je l'ai fait quasiment, enfin pas tous les jours, mais presque, quoi. Et puis j'ai eu la chance d'avoir des concerts. Ça m'a aussi permis de vite me remettre en selle. Oui. Est-ce que tu as des rituels avant les concerts? Non. J'ai un peu de mal avec la ritualisation, comme avec les dogmes. Je suis plutôt anarchiste. Non, pour moi, la seule règle, c'est de veiller à ne pas me laisser polluer par des énergies agressives et malveillantes. Veiller à moi aussi, ne pas laisser filtrer d'éventuels moments où je me sentirais pas bien. J'ai pas envie de polluer les autres. Et voilà, et j'essaie de veiller à ce que tout le monde se sente bien, en fait, que tout le monde aille bien. Ça, c'est important parce que justement, il s'agit d'être en échange et avoir une partition, avoir des chansons à chanter, de la musique à jouer, c'est une chose. Mais si je suis dans un espace où humainement ça va être tendu, je vais pas pouvoir chanter correctement. Je vais pas bien chanter. Ça va être juste en place, mais moi je sais que ça va être faux, quoi. Oui. Est-ce que tu as des pratiques complémentaires qui t'aident à être détendu? Dès que j'en sens le besoin, moi je fais des étirements. Enfin, j'essaie d'étirer mes lombaires. C'est souvent là que ça coince, notamment parce que je fais de l'endométriose. Donc dès que je peux, je fais des étirements. Ouais. Et dès que je sens que ça commence à pointer, je prends rendez-vous, je vais chez l'ostéo. Avant d'avoir mal, avant j'avais cette capacité à encaisser et que je ne veux plus en fait. Que ça n'a pas de sens d'avoir tout le temps mal. C'est pas normal. Donc en fait, maintenant je le fais avant d'avoir mal. On s'est évité une rupture déchirante et violente. Pas besoin de se haïr pour passer à la page suivante. Les belles histoires font des souvenirs et on a les nôtres. Mais aujourd'hui, faut se le dire, on est défaits l'un pour l'autre. L'amour est parti, on ne fait pas semblant. Tout n'est que nostalgie, je t'aime en noir et blanc. Plus besoin d'entendre ta voix, je dis pas ça pour provoquer. Et pourtant, au fond de moi, je veux juste te manquer. Now the curtain is down. Got my knees on the ground. I'm begging for your love. Sadness is gone. Keep on looking ahead. Far away from my bed. Tears right up on their own. But I want you to know I just want you to miss me. Just want you to miss me. So you can.
can feel my pain. I just want you to miss me. Just want you to miss me. So I won't bleed again. Quand les plaisirs se glacent et effacent-les encore. Quand tous nos face à face deviennent des torts à tort. Faut savoir arrêter, je te souhaite même du bonheur. Pas envie de pleurer, j'ai juste un chagrin d'humeur. On se fait une double peine, l'amour était en sursis. Et la sentence est ferme, j'ai pris un an avec souci. Il nous fallait un terme, l'avenir ensemble était bloqué. Mais au fond de moi quand même, je veux juste te manquer. We said goodbye for the last time. I couldn't stand the road tight. Storm is blowing in the deepest meanders of my soul. Keep on walking my way, far away from you. My heart is beating again, but I want you to know. Est-ce que tu veux bien nous raconter l'un de tes meilleurs moments de carrière ? Waouh, c'est compliqué. Je sais pas, j'en ai tellement à la fois de belles rencontres. On a fait un concert devant 6000 gamins à Vienne, dans le théâtre antique. Et c'était assez puissant, quoi, d'avoir 6000 enfants qui réagissent à ta musique, qui chantent, qui te répondent. C'était merveilleux. Non, j'en ai plein. Le dernier concert qu'on a fait, il était magnifique. De liberté, d'improvisation. Je suis heureuse tout le temps, en fait. Plus je chante, plus j'aime chanter, et plus je prends du plaisir. Et pour moi, c'est pas du tout vertical, c'est totalement horizontal. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'avance, il y a une nouvelle branche, et puis que sur chaque branche, il y a une nouvelle tige. The best is yet to come. J'ai la sensation que j'en suis qu'au début. Oui, et tu parlais de liberté, d'improvisation. Est-ce que tu aurais des pistes à donner pour les personnes qui veulent ressentir la même chose ou qui veulent improviser, se sentir plus libre sur scène et avec leur voix ? Se sentir plus libre, déjà, il faut pouvoir se sentir libre. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire libre ? Ça veut dire avoir identifié les endroits des nœuds et les travailler. Après, il y a une liberté concrète, technique, c'est-à-dire faire ce qu'on veut avec sa voix. Bon, ça, c'est une chose, mais il y a surtout, pour moi, la liberté de justement laisser savoir des fois faire un peu ce qu'elle veut. Improviser, ce n'est pas que quelque chose de dogmatique. Ça peut être aussi tout simplement une variation dans la mélodie d'un soir à l'autre. Variation dans l'intention, dans l'intensité, dans l'émotion. Il faut le faire quand on le sent, si on le sent. Il faut pas se forcer à improviser, je crois pas. Mais par contre, il faut pas se dire qu'on ne peut pas le faire. C'est comme pour tout. C'est-à-dire que bien sûr qu'on peut le faire. Mais plus on s'entraîne, plus on peut le faire et plus on sait le faire. Et il faut pas être concentré sur le résultat, mais sur le geste. Il faut essayer. En fait, souvent, on entend ça, on dit, mais il faut revenir à l'état d'enfant, mais c'est sérieux. C'est-à-dire que les enfants, quand ils jouent, ils sont très sérieux. Ils jouent, ils s'amusent, mais ils sont très sérieux, à 100% dans ce qu'ils font. Et il n'y a que ça comme vérité. Et je pense que quand on pratique un art, c'est ça, quoi. Il faut trouver son endroit de vérité plus que de liberté. De vérité de soi, et puis aussi de la vérité du moment. Parce que la personne que je suis aujourd'hui n'est pas exactement la même qu'hier. Parce que ma journée a été chargée de tout un tas de choses, et que ça, quoi qu'on dise, ça va traverser mon corps. Donc il ne faut pas le laisser me dominer, mais en tout cas, ça existe. Il faut aussi pouvoir accueillir ça. Donc, conseil, c'est être à ce qu'on fait et savoir prendre la mesure de ce que l'on a plutôt que de se concentrer sur ce que l'on n'a pas. Oui, tu es hanté par des mélodies. Est-ce que tu veux bien nous parler des chansons, des mélodies qui viennent à toi ? Comment composes-tu ? Je compose de manière très 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 différente tout le temps. J'ai pas une règle. Parfois, effectivement, ce sont des mélodies que j'entends. Je me souviens qu'il y en avait une qui a mis longtemps à trouver son chemin pour devenir une chanson. Elle a mis 4-5 ans, je pense. Et régulièrement, je la chantais et j'arrivais pas à trouver l'articulation. Parfois, ça va être un autre instrument qui va me conduire sur un chemin. Parfois, ça va être une idée, donc un mot, une phrase, puis un texte qui va induire une énergie, et cette énergie-là va m'amener à la musique. C'est pas toujours d'abord la musique. Parfois, c'est d'abord l'idée, le texte, souvent même. Après, ça peut être aussi, j'ai entendu un enchevêtrement, un croisement de sons dans la rue, et ça m'a inspiré. Le mouvement du métro, l'escalator, la sonnerie du métro, les claquements de porte, tout ça, c'était dans une espèce de rythmique complètement bizarre, mais qui m'a inspiré, et je suis rentrée, puis direct, j'ai commencé à écrire, sachant que avant, l'écriture, c'était quand même beaucoup en enregistrant, directement. Maintenant, j'arrive à me poser, et par exemple, à prendre la guitare, et puis à chercher, et parfois, entre le début et la fin, il y a un gros changement, ça peut être un gros changement de tonalité, un changement de partie, mais souvent, dans les premiers jets, il y a quelque chose
chose d'assez fluide. Et par contre, c'est un travail qui est très mélodique. Je fais pas un travail harmonique, dans le sens où ce n'est pas l'harmonie qui va me donner une mélodie, mais je vais d'abord construire une mélodie et ensuite je vais construire l'harmonie autour de cette mélodie. Moi, c'est vraiment texte, mélodie et ensuite l'harmonie. Qu'est-ce que ta voix dit de toi ? Que laisse-t-elle transparaître ? Ben, il faudrait lui demander. je pense qu'elle dit plein de choses. Elle dit tout, en fait. Pour qui peut lire, en tout cas, moi, à chaque fois que je m'écoute, et aux différentes étapes, j'entends la personne que je suis au moment où j'ai enregistré. Donc, je vois le chemin parcouru, je vois les changements, les mutations. J'entends la joie, j'entends les cicatrices refermées, j'entends l'envie de communiquer, j'entends la colère aussi, parfois. Mais une colère qui ne s'exprime pas avec la même violence qu'auparavant. Elle est différente. Elle est plus déterminée, plus sûre, plus froide, plus maîtrisée. J'entends beaucoup d'amour à donner, mais pas à n'importe qui. Je connais un peu mieux mes points faibles et mes points forts, et je tâche de ne pas me mentir. Ça, j'entends. There's nothing new under the sun. I miss your sparkling eyes. The way you shine upon my life. So, roaming the earth, I've searched for you, but nowhere could I find traces of what we used to be. I lost your sight, but in tu es également comédienne. Est-ce que tu fais une différence sur ce que tu entends et comment tu ressens ta voix parlée, de ta voix chantée, ou est-ce que c'est pareil pour toi ? Je dirais que c'est pareil et que la complexité de jouer quand on est chanteur, c'est justement de ne pas rentrer dans une musique, pas s'installer dans une mélodie. Et pour ça, travailler son personnage, après chacun travaille comme il le veut, comme il le peut, mais moi le fait de pouvoir travailler en construisant la cosmogonie du personnage, c'est-à-dire faire tout son historique, où elle est née, qui étaient ses grands-parents, c'était quoi le contexte politique, est-ce qu'elle avait un animal de compagnie, qu'est-ce qu'elle faisait à 4 ans, à 5 ans, à 20 ans, voilà, je fais une espèce de feuille de route de cette personne-là et j'essaie de trouver comment nourrir ces différents tiroirs avec ce que moi j'ai comme bagage. Donc essayer de mettre mon matériau au service de cette feuille de route-là. Et en ayant toujours à l'esprit cette feuille de route, ça me permet de pas être dans ma mélodie, mais d'être dans l'exploration du personnage. Oui, c'est très intéressant comment tu construis tes personnages et justement comment crées-tu tes spectacles. Est-ce que tu te sers un petit peu aussi de tout le matériel disponible, les chansons, les lumières, les médias, comment est-ce que tu fais ce travail qui est aussi un travail collectif ? C'est vraiment un travail qui pour moi est important parce que j'estime que ça raconte justement ce que je disais tout à l'heure, le sous-texte, l'histoire qui est en dessous. J'ai pas envie que ce soit juste un tour de chant où on enchaîne les chansons et les effets, mais qu'il y ait une trame narrative, même si c'est pas compris par les autres, mais en tout cas, je me l'écris pour moi.
Et j'essaie avant toute chose d'imaginer une dynamique de spectacle. Donc ça passe souvent par un dessin. Je vais essayer de dessiner un peu l'énergie et voir comment ça va se développer sur ce dessin. Voir si je commence en haut avec un pic au milieu et puis ensuite je remonte, ou est-ce que je commence tout doux et est-ce que c'est une espèce de montée progressive. Enfin, il y a tout un tas de manières de faire. En tout cas, moi c'est comme ça que je fais. Et les couleurs aussi? Ah ça oui, ça c'est hyper important. Les couleurs, les costumes et les lumières vont vraiment être en complément et en réponse de ça aussi. Par exemple, sur le spectacle précédent, qui était autour de la lune rousse et des vœux qu'on peut lui faire et qui était autour de la transformation, du changement, sur scène, j'avais une peau de grosse caisse, mais vraiment une très très grande peau, qui était rétro-éclairée et qui simulait la lune à des moments différents de son mouvement dans la nuit. Et j'avais une robe qui était orange, enfin qui était tangerine, je veux mandarine. Et ça, c'était vraiment la couleur prégnante de toute la com' et de tout le spectacle. Et pour la com aussi, c'est toi qui t'investis pour définir ce que tu as envie de faire passer visuellement, ou est-ce que c'est quelque chose que tu préfères déléguer? Bah, c'est quelque chose que j'initie et que je travaille beaucoup avec Jidru, avec qui je collabore depuis de nombreuses années maintenant, et dans l'écriture des chansons et dans les arrangements, mais aussi dans le travail de réarrangement pour la scène, des visuels. Évidemment, on travaille avec des photographes et des vidéastes, mais c'est vrai que nous, déjà, on aime ça en fait. Donc, on va souvent apporter les premières idées, et bien sûr on va les laisser explorer, mais on a des envies, donc on leur propose. Tu te définis comme une troubadour. Quelle est pour toi la place de l'artiste dans notre société ou dans une société idéale? Je trouve que troubadour, c'est assez juste. Je parlais de réunir les gens et de créer des espaces vibratoires, des espaces d'échange. C'est ça notre travail, d'essayer de raconter au plus juste comment le monde nous impacte et essayer de créer des espaces de discussion, d'échange, pour voir comment on fait pour que collectivement on aille mieux, quoi. Donc c'est une place qui est importante, qui est fondamentale. On n'est pas plus important qu'un artisan pâtissier, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Oui, il n'y a pas de notion de supériorité. Pas du tout, absolument pas. Moi, c'est vraiment pas du tout vertical, c'est totalement horizontal, encore une fois. Mais en tout cas, pourquoi moi j'ai choisi la musique, c'est parce que par rapport à mes capacités, c'est ce qui répondait le mieux à cette envie de faire du bien aux autres. Parce que je m'étais posé la question, est-ce que prof, est-ce que journaliste, est-ce que médecin, et qu'à un moment donné, il a fallu faire des choix, et que voilà, j'étais pas assez bonne en maths, enfin en sciences, pour imaginer être médecin, mais c'est vrai que c'était plutôt vers des métiers qui me mènent à l'autre que je tendais. Et pour ça, la musique, le théâtre, enfin les arts d'une manière générale, ça le permet. Parce que quand on rêve, quand on invente, quand on crée, quand on imagine, ça ouvre des perspectives, et on en a besoin, plus que jamais. Rely on me, I will take you where.
Comment fais-tu pour prendre soin de ta voix quand tu es en représentation ou si tu es malade et que tu as un concert? Prendre soin, c'est toute la journée. Ça veut dire déjà éviter de trop parler dans des endroits où le son est très fort, parce que on dit la voix, mais en fait l'instrument principal c'est les oreilles, parce qu'on parle et on chante en fonction de ce qu'on entend. Et donc plus le son va être fort autour de vous, plus vous allez mal placer votre voix et vouloir parler fort. Et c'est souvent la voix parlée qui fatigue la voix chantée. Bien travailler son répertoire pour être sûr que les tonalités des chansons correspondent à ce qu'on peut faire sur scène, parce que l'engagement du corps en studio et sur scène, c'est pas du tout le même. Et parfois, on s'aperçoit qu'on a choisi des tonalités qui sont hyper confort quand on est en studio parce qu'on s'entend super bien, mais qu'une fois qu'on est sur le plateau, ben ça va pas du tout, parce que parfois c'est trop grave, par exemple, et qu'on est obligé de monopoliser le diaphragme de manière disproportionnée, ou parfois c'est trop haut, auquel cas ça devient compliqué. Donc voilà, ça c'est un travail préparatoire. Y faire attention, ça veut dire aussi ne jamais oublier un, pourquoi on a choisi de faire ça, deux, ce qu'on a envie de raconter, et aussi beaucoup s'entourer de personnes qui sont bienveillantes et qui défendent des valeurs qui sont les vôtres. Moi en l'occurrence, avant même de parler répertoire, planning, salaire, tout ça, d'abord je dis aux personnes avec lesquelles je travaille que dans le projet on exige du respect, de la ponctualité, on bannit les propos et les actes et les gestes sexistes, homophobes, racistes. En fait, le fait que ce soit dit, posé et articulé verbalement ou même par mail, hein, mais en tout cas que ce soit dit, ça met tout de suite dans un environnement particulier. Oui, tu poses tes valeurs. Ah ouais, c'est fondamental. Et moi, ça me permet aussi de refuser parfois des collaborations parce que j'estime que le compte n'y est pas. Évidemment, c'est la musique qui parle d'abord, mais pas que. Il y a aussi dans quel contexte on travaille, dans quelles conditions et qu'est-ce que l'on est prêt à accepter. Et ça ne suffit pas qu'il y ait un gros chèque et une musique géniale pour qu'un projet soit intéressant, en tout cas pour moi. Qu'est-ce que tu as appris au contact des autres artistes ? J'ai appris déjà la capacité de se mettre au service du projet de quelqu'un d'autre. Donc comprendre ce dont cette personne a besoin, comment on peut explorer ensemble, et puis aussi comment elle ou il, mais souvent elle, aborde sa voix, son rapport à l'écriture, son rapport au collectif. C'est souvent des femmes qui sont chefs de projet aussi, vie, famille, enfin échanger sur nos pratiques, sur nos chemins, sur notre expertise, c'est super important, parce que tout d'un coup on s'aperçoit que c'est comme on dit, il y a autant de féminisme qu'il y a de féministes, donc il n'y a pas une manière d'être artiste, il y en a plein. Donc la rencontre, l'échange, c'est génial. Est-ce que tu veux bien nous parler de tes projets et de tes dates à venir ?
Alors, projet, l'enregistrement de mon prochain album qui s'appelle Scars, qui veut dire cicatrices, et qui parle de mon cheminement et de comment ma voix a évolué pendant toutes ces années au gré des violences qu'elle a subies et au gré des rencontres et de la joie qu'elle a reçue. Que c'est un instrument qui m'a permis d'aller vers les autres, mais qui est aussi le témoin de tout ce que j'ai vécu. Et c'est des chansons qui parlent de déracinement, qui parlent de violence, mais qui parlent aussi de sororité, qui parlent aussi de viol, qui parlent de, voilà, de tout un tas de sujets qui sont bien entendu personnels, que je ne raconte pas de manière personnelle. Je raconte pas ma vie. Oui, tu te fais aussi le porte-parole des autres personnes qui n'ont pas forcément la parole. J'essaye en tout cas, j'essaye que ce soit intime et donc politique, mais pas personnel. En essayant que par ces chansons, que par les mots et par les mélodies et la manière dont je vais les interpréter, bah, des personnes qui ont vécu des choses similaires puissent se dire « Ah bah, je ne suis pas seule », qu'on peut guérir, qu'on peut avancer, qu'on peut se reconstruire, qu'il peut y avoir aussi sur le chemin beaucoup de joie et de tendresse, et que pour les personnes qui sont totalement étrangères à ça, se disent mais en fait c'est aussi la réalité de plein de gens. Ouais, c'est pour moi de la musique assez apaisée, j'ai hâte de pouvoir la partager. Sinon, ouais, on est en concert en trio avec Paul Colomb et Jidru. C'est un spectacle qui s'appelle Elle, où on interprète des chansons écrites et composées uniquement par des femmes. Notre prochain concert c'est le 10 mai à Malakoff, ensuite on sera le 19 mai au théâtre Antoine Vitesse à Ivry. Je mettrai le lien évidemment. Voilà, donc j'ai un projet de résidence pour mettre en place les chansons de mon prochain album. Justement, comment est-ce que tu imagines tes nouveaux albums ? Est-ce que c'est en résidence ? Est-ce que c'est toi toute seule chez toi, dans ta tête, un cahier ? Il y a souvent un cahier, ouais. Un cahier avec plein de notes, d'impressions, de mots. En fait, c'est un peu comme une pelote avec plein de fils. Tu sens quand c'est le bon moment de commencer à tirer le fil et là, c'est vertigineux. Il y a plein de choses qui se créent que tu n'avais pas imaginé alors qu'elles étaient juste là. Ça passe par l'écriture, par le dessin ? Il n'y a pas de règle. Un peu des deux. Écriture, dessin, des fois de la cuisine, des fois de la couture, des fois de la matière. Des matières sont assez inspirantes, il n'y a pas de règle. Quelle est l'une des choses dont tu es la plus fière que tu as pu réaliser grâce à la musique ? Il y a plein de choses. L'année dernière, on a monté un projet avec Jidru de concert dans des unités d'hôpitaux psychiatriques dans les Hauts-de-France. Et c'était assez fabuleux de voir des corps se transformer en recevant de la musique. De voir qu'on pouvait concrètement faire du bien aux gens. Évidemment, on faisait du bien aux résidents et aux résidentes, mais aussi au personnel soignant, et c'était ça l'idée. C'était que ce soit un moment de musique pour tout le monde. C'est une expérience qui nous a, je pense, transformés. Je trouve ça assez fabuleux. De pouvoir fédérer des personnes pour monter un label et me structurer, alors même que je m'en pensais totalement incapable, étant une gestionnaire niveau zéro, on va dire, dans l'organisation, dans l'anticipation, dans la... Et voilà, et en fait, si.
En fait, c'est possible. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus? À quel moment est-ce que tu as mis tout ça en place? Comment as-tu fait? C'était en 2016, au moment où je devais enregistrer mon troisième album, et du jour au lendemain, je n'avais plus de tourneur, plus de producteur, plus rien. Mais j'avais un studio qui était booké, des musiciens qui étaient bookés, un répertoire qui était prêt à être enregistré. Et donc, du jour au lendemain, j'avais tous mes plans sur la comète qui tombaient à l'eau. Et donc, j'ai beaucoup pleuré. Et puis, après avoir pleuré et discuté avec Jidru, il m'a dit « Non, mais c'est bon, vas-y, il faut faire quelque chose. En fait, si tu penses qu'il n'y a pas de solution, c'est juste parce que tu l'as pas entrevu. Mais en fait, des solutions, il y en a plein. » Et donc, on a commencé à réfléchir. Et après réflexion, on s'est dit que bah, il y avait pas de raison qu'on puisse pas trouver des personnes pour nous aider à nous structurer. Et donc, on a trouvé une présidente, un trésorier, une secrétaire. Et voilà, et c'est comme ça qu'est parti le label Riot, avec une équipe incroyable qui nous soutient depuis et avec qui on produit donc nos albums, donc les miens, celui de Jidru. On a produit l'album d'un collectif qui s'appelle Tribe from the Ashes, qui est un collectif, on est 16, avec qui on produit aussi des projets à la marge. Le trio L, il a démarré avec Riot. Certaines résidences de création, on le fait aussi avec ce label-là. Donc, c'est un espace qui nous permet une création libre. Oui, que tu t'es créé sur mesure. Il s'agit pas de tout faire, loin de là. Hein. Moi, je travaille pas dans l'asso, mais c'est vrai que d'avoir une équipe qui comprend tes besoins et tes exigences artistiques et qui, en même temps, peut aussi te donner un cadre, c'est génial. Te dire, ouais, là, t'as vu, là, c'est un peu exagéré. En tout cas, d'avoir un rapport qui soit sain et simple avec l'organisation, la trésorerie, l'anticipation. Oui, je sais qu'il y a pas mal de chanteurs et chanteuses hein, qui écoutent le podcast et qui sont dans ce cas-là, qui ont des difficultés avec leur label ou qui veulent en créer un. Est-ce que toi, au début, vous avez pu d'emblée, par exemple, salarier des gens ou est-ce qu'il y avait plutôt des bénévoles? Comment ça s'est passé? C'est une association où les membres sont bénévoles. Donc il y avait des gens qui ont donné de leur temps parce qu'ils étaient vraiment investis, qui croyaient vraiment en vous. Carrément. C'est vrai que, par exemple, bon, maintenant ça a été absorbé par le CNM, mais à l'IRMA, il y a tout un tas et de fiches et de stages, de rendez-vous qui permettent de répondre à toutes ces questions. Ça existe aussi au niveau des variétés où ils font des stages justement sur la structuration. Je sais qu'il y en aura un, je crois, en septembre ou en octobre, parce que le prochain il est complet, mais en fait, des solutions elles existent, mais il faut aller les chercher, ça c'est sûr. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour être une artiste encore plus épanouie? Plus de temps. Ouais, j'espère vivre pas forcément longtemps, mais en vrai, si apprendre à, en ce moment dit lâcher prise, non, apprendre à mieux m'ennuyer. Parce que des fois, j'ai l'impression d'être un peu en sur-régime, parce que je pense que souvent, et particulièrement les femmes, on a toujours l'impression qu'il faut être plus, il faut être au top. En fait, non, des fois, juste, on dit en anglais, just chill, tu vois. Juste chill, une petite manucure, tranquille, promener, regarder les arbres, chercher les oiseaux, lire un bouquin, se lancer dans une recette de tiramisu, plus de tranquillité. Prendre le temps. Ouais, parce qu'en fait, quand on prend son temps, bah, en fait, on va plus loin. Et il s'agit pas d'aller plus vite ni plus fort, mais juste plus loin dans sa capacité à accueillir des émotions et à recevoir ce que les autres nous donnent. Parce qu'il s'agit de ça aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de donner, mais c'est un vrai travail que de savoir recevoir. Et par exemple, fin de concert, c'est souvent pourquoi on met autant de temps, comme on dit, à redescendre, c'est parce qu'on s'est pris des kilopalettes d'énergie qu'il faut réussir à passer au tamis et à prendre quand même, quoi. Oui, d'ailleurs, je trouve que c'est très difficile après les concerts de s'endormir. Ah bah c'est impossible, enfin, je veux dire, il y a au moins 3 heures, quoi. Ouais, une question que je pose toujours pour terminer le podcast, quel chanteur ou quelle chanteuse ou professeur de chant francophone aimeriez-vous écouter sur le podcast que j'invite de votre part? Eh bien, je dirais Raphaël Lanader. Oui. Son nom de scène, c'est L, donc la lettre L. Et je dirais Florent Mathéo. Bon ben, très bien. Raphaël Lanader, elle était déjà dans ma liste de souhaits, mais Florent Mathéo, je vais aller découvrir. Ah ouais, et puis un troisième, parce que... Oh non, j'en ai 4 en vrai. Oui. J'ai Sophie Fustek. D'accord. Son nom de scène, c'est La Chica. Ah, mais oui, alors je l'ai déjà contactée. Pour le moment, elle m'a dit qu'elle était prise, mais oui, j'aimerais beaucoup, ouais. Bah oui, elle est un peu overbookée. Oui. Et Horus, alias Bastien Picot. D'accord, je vais découvrir. Alors, pourquoi tous ces artistes? D'abord parce qu'ils m'émeuvent, ça c'est la première chose. Qu'ils ont des approches à la fois différentes, complémentaires, et c'est des artistes qui, moi, m'inspirent. Alors, il se trouve que le hasard fait que La Chica, Florent Mathéo et Horus, ils ont chanté ensemble dans un groupe qui s'appelle les Threesome Sisters. Mais ils ont chacun un projet solo qui a juste rien à voir. Et Raphaël Lanader, c'est une artiste que j'aime beaucoup, et puis c'est une amie. Ils mais ensemble. Ouais. Mm-hmm. Mais à chaque fois que je l'écoute chanter, moi j'ai des frissons, quoi. On s'aime, nos voix ensemble se ressemblent, nos voix ensemble s'assemblent, nos voix ensemble se ressemblent beaucoup. Nos voix ensemble se ressemblent, nos voix ensemble s'assemblent, nos voix ensemble.
on n'a pas besoin de connaître notre pédigré. En fait, on a beaucoup plus de points communs qu'on imagine, bien que n'ayant pas le même parcours, ni académique, ni de vie, ni même classe sociale, ni même genre, ni rien. En fait, ça se passe ailleurs. Et voilà, c'est des personnes qui ont une intelligence humaine et une générosité vraiment qui s'entend dans leur musique, en fait. Moi, je trouve, et dans leur voix particulièrement. Très bien, merci beaucoup. Moi, je mettrai tous les liens en barre d'infos. J'étais très heureuse de pouvoir échanger avec vous. Je vous souhaite plein de beaux concerts et puis un bel enregistrement d'album. À bientôt. À bientôt. Thank you.
La clé de la voix, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mercredi prochain. Pour découvrir les coulisses du podcast, les citations des invités, retrouvez-moi sur Clémentine Coppolaine sur les différents réseaux sociaux. Comme toujours, les notes de l'épisode sont en description, ainsi que des exercices gratuits à télécharger. Le lien est en barre d'infos ou sur laclédelavoix.com/3superexercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Merci d'avoir écouté La Clé de la Voix. Je vous souhaite une belle pratique vocale.